pour moi, la scène représente un point d'interrogation où tout peut arriver. On y va complètement dénudé et presque comme un enfant, à la conquête d'une utopie, d'un rêve, d'un voyage imaginaire. Rien ne remplace l'adrénaline que tu as avant de rentrer en scène, où là, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'angoisse, où tu te mets en question. C'est ça le trac, en fin de compte. Tu te dis, est-ce que je vais être dans les meilleures possibilités physiques et artistiques pour communiquer ce que j'ai envie de communiquer au public ? Quand je repense à ma nomination d'étoile, j'ai toujours dit que c'était pas un but en soi. J'ai toujours senti que c'était pas une finalité, que c'était plutôt un commencement à quelque chose. Une réflexion, pouvoir entamer une réflexion sur son parcours, sur ce que j'avais vraiment envie de faire, sur les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et puis, moi, se pointait dans ma tête très fortement l'envie de réaliser des choses par moi-même aussi. Donc, le chemin de créateur a mis du temps. Je crois que on ne s'improvise pas créateur, quoi. Je veux dire, ça se construit. Comme on ne s'improvise pas danseur professionnel, on construit les choses, on évolue. La petite fille que j'étais ne pouvait pas se propulser dans ce que je vis maintenant. Mon énergie a toujours été difficile à canaliser depuis l'enfance. J'étais plutôt avec une énergie de garçon. Et j'étais attirée par tout ce qui grimpait, allait vite. Ma maman m'a mis à un cours de danse parce qu'elle pensait que ce trop-plein d'énergie, de vitalité, allait exulter à travers le corps par rapport à la danse. Et en même temps, j'étais une enfant très timide, très réservée, qui parlait très peu. Par exemple, j'ai le souvenir que c'était impossible pour moi d'aller vers une autre petite fille ou un autre petit garçon pour rentrer dans leur jeu. C'était impossible. Même dans l'adolescence, c'était très compliqué. Et donc j'avais une réserve qui pouvait paraître pour les gens extérieurs quelque chose d'assez hautain. Sauf que pour moi, c'était pas du tout ça. C'était vraiment une protection. J'avais l'impression que tout le monde voyait ma fragilité. Donc la danse m'a aidée. Le fait de communiquer à travers le corps m'a permis de dire des choses que je ne pouvais pas dire en parlant. Jolie main, restez. Respirez. Marie-Claude Pietragala. J'ai 15 ans et demi. Je suis en première division dans la classe de Madame Christiane Vossard. Je suis rentrée à l'opéra à 10 ans et avec du travail et beaucoup d'espérance, je souhaite y faire une grande carrière.
Ce qui me fascinait, à mon avis, c'était certainement tout ce qui était représentation théâtrale, quoi, d'être sur scène, d'interpréter des personnages, d'être dans la lumière. Bon, après, le travail est venu, mais je me rendais pas du tout compte de ce que c'était comme discipline. J'avais pas été baignée dans cet environnement, j'avais pas les codes de ce milieu-là. Très très vite, j'ai senti que il fallait se prendre en main, qu'il fallait compter que sur soi, qu'il fallait énormément travailler, avoir une discipline, une rigueur intérieure. Ça m'a pas tellement posé de problème. Puis surtout, avant de rentrer à l'opéra, j'étais dans une école de sœurs. Donc, l'école qui de ma petite enfance, hein, de l'école primaire, par contre, m'a laissé des marques indélébiles. Et je trouvais ça beaucoup plus agréable d'être à l'Opéra de Paris que d'être dans cette école où je trouvais qu'il y avait une discipline. Moi, j'ai toujours eu une espèce de problème avec les cours de catéchisme, la religion qu'on m'imposait. Et j'étais déjà peut-être un peu enfant, un peu rebelle et un peu réfractaire à tout ça. Quand on parlait... Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Moi, dans ma tête d'enfant rationnel, je sais pas, je levais le doigt, je dis non, je comprends pas. Ils sont trois. Enfin bon, j'étais pas du tout. C'était pas ma voix, quoi. Je me sentais à côté dans l'école. C'est peut-être ça qui m'a déterminée aussi inconsciemment à vouloir faire autre chose. Envisager une scolarité différente, quoi, parce que je savais très bien qu'en rentrant à l'école de danse, j'allais avoir une scolarité qui n'allait pas être la même. Mon père, en mettant cette phrase de Napoléon, quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. C'est vrai que quand t'es enfant et que t'as ces mots qui résonnent en toi, alors je dis pas que j'y pensais tous les jours, mais j'avais cette espèce de petite maxime comme ça dans ma chambre. Mais c'est vrai que mon père m'a inculqué le fait de miser sur le travail, de miser sur l'engagement, d'être hyper honnête. Effectivement, j'aurais pu, ça aurait pu me faire peur même. J'étais peut-être d'une nature assez combattante et assez volontaire. C'est pas évident la danse, parce que c'est un travail sur son corps quotidien. Tous les jours, on est accroché là-bas. Et tous les jours, c'est une remise en question. Et tous les jours, il faut se tirer sur les jambes, il faut gagner un peu plus de souplesse, un millimètre plus haut. Tous les jours, on se remet à la barre. Et tous les jours, on devient comme un élève et on remet son travail à plat. Quand j'ai eu ma rencontre avec Florence Claire, qui était une danseuse étoile de l'opéra, qui était la génération d'avant moi, que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, de par, je dirais, sa délicatesse, en même temps sa force. Quand j'ai abordé plusieurs rôles du répertoire avec elle, j'aimais vraiment travailler au millimètre, on prenait vraiment le temps. Elle était tout le temps là, alors parce que c'était la dernière à partir du cours. Parce que je donnais le cours avant. C'était là. Elle est toujours là, à l'heure, toujours prête, quoi. Elle avait les chaussons mis, les épingles mises, quoi. On n'avait pas à papoter un quart d'heure avant le début. Des choses que je déteste, tu vois. C'était, on commençait à l'heure et on finissait, voilà. Et puis, dans ça, c'était une telle discipline. Voilà, pour une... Pour une danseuse de ce tempérament, quoi, qui avait vraiment, qui aurait pu dire, bon, moi, je viens quand je veux, je fais ce que je veux, quoi. Mais c'est pas du tout, hein. Quand elle dansait avant, dans ces ballets classiques-là, et c'était quelque chose qui m'avait frappée,
Elle était beaucoup dans la performance. Et je pensais que ça la gênait. Voilà, c'est tout. Et j'avais raison. Hein. Le travail avec Florence m'a complètement métamorphosée. Parce que j'étais quand même quelqu'un, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau du travail, j'étais quelqu'un d'assez, comme je t'expliquais dans les interviews, assez volontaire, prenant les choses un peu en force, tu vois, mon côté volontaire qui était même, qui allait à l'encontre de moi. Et elle a réussi à me dire que le lâcher prise était bénéfique pour ma danse. Marie-Claude Pietragala est une très sensuelle Carmen, aux côtés de Kader Bellarbi en Don José bouillonnant. Un souvenir que tu m'as dit, ça m'a marqué à vie. Je sais plus pour quel ballet c'était. Je crois que c'était pour Don Quichotte, je crois. Et tu m'as dit, on était dans le foyer, je sais pas si tu t'en rappelles, et tu m'as dit, Pietra, il faut que tu profites de chaque instant en scène. C'est des moments extraordinaires. Tu m'as même dit, pense à ceux qui n'ont plus la possibilité de... Et ça m'est resté, et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'essaye de communiquer aussi à mes danseurs, d'être dans l'instant de ce qu'on... De l'instant présent, quoi, que tu arrives en scène, c'est la première fois que tu interprètes ce personnage. Elle a interprété les rôles classiques avec beaucoup de tempérament, et beaucoup de présence, beaucoup de force et en même temps de fragilité. Je suis rentrée à 9 ans et demi à l'Opéra et j'étais nommée à 27 ans étoile. Avec des concours tous les ans, avec ce qu'on peut trouver dans une institution qui est très hiérarchique, avec quand même des moments où, c'est pas qu'il y avait des humiliations, mais tu passais par certains chemins et tu pouvais pas passer par d'autres. On t'expliquait comment il fallait faire, comment il fallait se comporter, avec une certaine... discipline, rigueur, les auditions avec les chorégraphes, que tu sois en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, avec toujours la volonté, enfin le fait de plaire ou de ne pas plaire, malgré ta technique, malgré ton talent, malgré... Donc c'est vraiment un univers qui est pas si rose que ça. Mais en même temps, j'ai toujours su que c'était ma voie. J'ai toujours su que j'allais y arriver. Je me suis toujours dit que quoi qu'il se passe dans ma vie à l'Opéra de Paris, rien ne me détournerait de la danse. Je me souviens très très bien de ma nomination parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 22 décembre 90. Et ça a été pour moi, les nerfs ont complètement lâché, j'ai eu l'impression de recevoir un mur de pierre sur la tête, tellement c'était... On s'y attend quand même quelque part, mais c'est jamais ce qu'on s'imagine. J'étais dans un cours de quartier quand j'étais petite, et puis j'accrochais pas tellement avec la danse. Et par la suite, j'ai vu des émissions à la télévision sur l'Opéra de Paris, et là ça a été la révélation. Une étoile, je crois que c'est une artiste à part, qui ne ressemble à personne, qui a sa propre identité, son propre caractère, qui a une façon personnelle de danser. Je crois que c'est vraiment quelqu'un d'à part. Un des plus beaux souvenirs que j'ai à l'Opéra, c'est le Gisèle de Matzek, parce que ça partait d'un chef-d'œuvre pour arriver à un autre chef-d'œuvre. Ça m'a bouleversée parce que c'est le regard de l'enfance sur la vie d'adulte et cette espèce de volonté de communication sur des codes qu'elle ne reconnaît pas, quoi. On a tous en nous cette petite fille qui va être blessée, qui va aimer à la folie et qui va être blessée parce que cet amour n'est pas réciproque ou n'est pas ce qu'elle aurait aimé qu'il soit, quoi. J'avais tout ce que je pouvais désirer
dans un cursus de danseuse étoile à l'opéra, travailler avec les plus grands créateurs, danser tous les rôles du répertoire, être, comme tu dis, dans une espèce de cocon, de cloche, voilà, avec des privilèges. Et tout d'un coup, je me suis dit, tout ça, oui, mais moi, j'aspire à autre chose. J'aspire peut-être à quelque chose de plus brut, moins sophistiqué, d'une autre esthétique. Et en même temps, d'avoir l'impression de ne pas être uniquement quelqu'un qui va être au service d'eux, mais plutôt quelqu'un qui va initier des projets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'opéra. C'est une soirée forcément particulière. Forcément particulière, parce que c'est la dernière soirée que je vais faire en tant qu'étoile permanente à l'Opéra de Paris. Appelée à diriger le Ballet National de Marseille en remplacement de Roland Petit, elle joue donc les étoiles filantes et quitte à 35 ans l'Opéra en pleine gloire. Une maison où elle est entrée quand elle n'était encore qu'une petite fille. Et ce soir, elle boucle la boucle en dansant à nouveau Don Quichotte de Nourayev, le rôle qui lui avait valu sa nomination d'étoile il y a 8 ans. C'est le genre de partenaire qui vous grise. Qui vous grise et qui vous inspire. Quand Pietra a pris la direction de Marseille, elle est tout de suite arrivée en proposant différents chorégraphes et j'allais dire une autre façon aussi de travailler la danse, de voir la danse. Le ballet était dirigé par Roland Petit depuis 25 ans. Donc c'est vrai que voilà, c'était son ballet, sa compagnie, tout avait été fait et construit autour de sa personnalité et de son œuvre. Donc c'est vrai que c'était un challenge intéressant pour les danseurs, surtout pour les jeunes danseurs. Moi j'étais arrivé il y a à peu près 2 ans et demi avant la fin de cette histoire-là. Donc j'avais connu, j'allais dire, la fin de règne et le début d'une nouvelle aventure. Donc c'est vrai que pour les jeunes danseurs, c'était très excitant de voir arriver une danseuse étoile qui était déjà très connue, qui avait déjà justement une expérience avec plein de chorégraphes et qui voulait quelque part dans son discours amener ça à Marseille pour justement renouveler le répertoire, renouveler la compagnie. Et moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, on savait pas trop qui allait venir. Donc j'avais passé pas mal d'auditions moi ailleurs, j'étais presque prêt entre guillemets à m'en aller. Et puis quand Pietra est arrivée, je me suis dit bon, ça vaut le coup, c'est quand même une personnalité forte, intéressante, puis ce pari de vouloir justement aussi amener de la danse contemporaine, même s'il y avait une différence de catégorie gigantesque entre moi, jeune danseur, et elle, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. J'ai retrouvé cette volonté au travail, le fait qu'elle était tellement passionnée par ce métier, que voilà, il y avait cette volonté toujours de danser, d'être dans le studio pour justement travailler ça. J'avais pas connu cette fusion, même avec un partenaire, non. Mais c'est vrai que lui, c'était un autre niveau de conscience que la fusion se passait. Et puis qu'il a une aura très, très particulière sur scène, un instinct, une animalité, une force, une sensibilité. On est aussi peut-être d'ailleurs tous les deux dans une impatience et dans le fait de ne jamais être satisfait de ce qu'on a. Et donc du coup de se remettre en question tout le temps et de chercher tout le temps autre chose, d'autres pistes, et c'est assez galvanisant ça. Quand j'aborde Camille Claudel dans sa Kuntala, c'est vrai qu'il y a toute cette mélancolie, en même temps cette difficulté de la femme artiste, créateur. Et puis il y a aussi le thème de la folie.
tu prenais Camille Claudel, en fait, ce qui te parlait à toi. Et tu n'es pas tombé dans le piège de la biographie dansée, mais en même temps, tu as fait danser la sculpture. C'est-à-dire, tu as pris les principales sculptures de Camille Claudel pour les mettre en scène, en quelque sorte. Nous avions déjà parlé du fait de ton, de ta difficulté à communiquer quand tu étais enfant, de ta timidité qui était basée sur une peur du rapport à l'autre, et comment la danse t'avait au contraire ouverte et permis d'exprimer ce que aucune autre chose ne t'avait permis, de passer ce cap, en fait. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette thématique de, on pourrait dire, d'enfermement en soi, s'est retrouvée comme en résonance avec Camille Claudel, qui est enfermée en elle-même. Tout au moins, après sa relation avec Rodin, elle devient enfermée en elle-même, puisqu'elle ne peut plus, après, comme on disait tout à l'heure, sculpter à l'asile. On lui propose de la matière, elle refuse. Et donc, toi, au contraire, ton travail a été de toujours chercher ce qui, à l'extérieur, te permettait d'exploser et de créer. D'une certaine façon, la création t'a libérée. Je ne peux pas envisager quelqu'un de plus timide que ce que j'étais enfant, d'oser imaginer que je pouvais rentrer dans l'espace de l'autre sans le gêner, sans le déranger, de ne pas être à ma place dans un groupe. En même temps, c'est le fait que lorsqu'on te dit quelle place il faut prendre, tu ne veux pas prendre la place qu'on te dit de prendre. C'est ça, c'est tout. Et c'est au contraire, voilà, oui, c'est ça. Et donc, tu te fermais et tu as peut-être mis des années à trouver cette place. Ouais. Et tu l'as trouvée dans la danse. Avec le temps va, tout s'en va. Marie-Claude Pietragala et Léo Ferret se sont donc rencontrés. La danseuse et le poète, le musicien et la chorégraphe. Pietra danse Ferret comme Ferret chante les mots. Fiévreuse et envoûtée, elle est partie à la recherche de l'homme qui disait « La révolte me tient debout ». Notre langage à nous autres artistes est à la portée de toutes les oreilles, de tous les yeux, parce qu'il est chant, lumière, galbe, sourire. C'est donc à nous de préparer votre révolte. Nous écrivons la psychologie de la révolte avec des techniques d'oiseaux. Nous marchons sur le ventre des tyrans avec des pattes d'oiseaux, nous donnons l'alarme avec des cris d'oiseaux. Malheur à ceux qui moquent l'art, seul ferment devenu possible de vos résurrections. Avec Julien, on savait l'amitié, l'affection et le lien qu'il y avait entre Léo et Richard. Et puis, alors, moi je parle en mon nom, mais je pense que Julien, c'est la même chose. Ça a vraiment été pour nous la rencontre marquante à Marseille. On s'est posé la question de savoir pourquoi on ne parlait pas tant de ça de Léo Ferret. Qu'est-ce qui pouvait déranger à ce point-là? Voilà. Parce qu'il y a toujours une raison. Quand des gens ont du talent, qu'ils ont marqué leur époque, et puis que tout d'un coup, parce qu'ils ont disparu, on en parle parce qu'ils sont obligatoirement incontournables, mais il y a des artistes dont on parle plus que d'autres, qu'on entend plus que d'autres à la radio. Et voilà, et en se penchant sur... sur ces textes, on sait pourquoi, sur la libre pensée et le politiquement pas toujours correct, c'est ça qui m'a plu, voilà. Quand un artiste du talent de Léo dit que la révolte est sur le buffet comme une monnaie d'or et qu'il suffit de se hisser un peu sur les pieds, la révolte, c'est tout de même une idée qui est à la portée de vos mains, dit-il. Évidemment que ça peut pas plaire à, ça peut pas plaire à tout le monde. Il n'y a rien de pire pour un créateur de ne pas avoir le droit d'utiliser telle chose, de ne pas avoir le droit parce que ça ne se fait pas, parce que là tout d'un coup ça est considéré comme populaire, et puis alors là si vous êtes ça vous êtes élitiste, mais alors si tu fais ça tu vas être hermétique, là inversement tu vas être trop grand public, là c'est pas bon parce que va dire le ministère, là mais là la mairie va pas être content, ça va choquer ses électeurs, et là tout d'un coup tu comprends mais tu ne fais plus de danse, tu es dans le théâtre, mais là finalement les théâtres ne sont pas contents parce que tu empruntes trop au répertoire musical, c'est terrible.
C'est terrible. Et je trouve qu'il y a, un moment, un besoin juste voilà, de la page blanche et de, laisser faire. Quoi. Ils ont fait un travail remarquable dans cette, ville. Il y a eu à un moment donné, même pas la peine de revenir là-dessus, des polémiques ridicules, complètement arbitraires, qui ont été démontées à cause de la rigueur du travail de Pietra et de Julien, parce qu'ils n'ont pas fait joujou à Marseille, ils ont apporté la danse. Et donc d'ailleurs, depuis qu'ils sont plus là, on se demande où elle est, la danse. Et donc heureusement que ce lien qui nous a rassemblés fait que maintenant Pietra est chez elle à Marseille dans ce théâtre et que le public marseillais qui aime ces danseurs peut les retrouver régulièrement pour les créations. Donc rien n'est brisé, tout continue et je remercie la ville et le sort de nous avoir amené ces danseurs qui non seulement permettent au public large du Tourski de les rencontrer, mais moi d'avoir élargi ma famille. Nous devons envisager un changement de direction. L'Étoile a donc un genou à terre. Arrivée à Marseille en 98, elle est aujourd'hui au centre d'une tourmente. 80% des salariés demandent sa démission, dénoncent une ambiance délétère et antiproductive. On a peur de quoi ? Pietra Galla enceinte de 5 mois qui terrorise 80 personnes ? Je sais pas, mais je veux dire, voilà, on en est dans le grotesque. On en est dans la diffamation et dans le grotesque. Je suis révolté chaque fois que je vois que des artistes de si grand talent sont gênés par ces médiocrités-là. Quand je suis partie de Marseille, dans les circonstances qu'on connaît, qui étaient des circonstances un peu difficiles, je me suis dit... L'histoire de Marseille aurait pu être vécue comme un rejet, une souffrance de se sentir rejetée, après avoir été très aimée. Parce que, quand même, n'oublions pas qu'à Marseille, il y a eu une enquête qui a été faite, je crois que c'est dans le journal Libération, comme quoi la personnalité la plus importante de Marseille... Premièrement, c'était Zidane. Deuxièmement, c'était Monsieur le maire, Monsieur Godin. Et troisièmement, Marie-Claude Pietragala. C'était quand même assez incroyable sur une ville comme Marseille. Bon, donc après avoir été très aimé, se sentir rejeté aurait pu être quand même vécu comme catastrophique. Et comme tu dis... Très perturbant, on va très dire. Très perturbant. C'était quand même une volonté de tuer l'artiste. Oui. Ben, voilà. Vous m'aimez ou vous m'aimez pas. Voilà. Mais c'est pas parce que vous m'aimez pas qu'il va falloir que je travestisse ce que je suis en train de faire. Pour que vous m'aimiez.
qu'on aimerait tellement pouvoir n'avoir que l'œuvre et pas les artistes. J'en connais tellement qui aiment l'art. Mais le problème, parfois, c'est que les artistes ne sont pas forcément ce qu'on attend d'eux. Ils sont parfois déstabilisants, dérangeants. Ne disent pas ce qu'on attend d'eux, ne font pas ce qu'on attend d'eux. Donc c'est là où c'est fort, parce que finalement, c'est aimer les hommes. C'est ça qui est la grande différence, je crois, de cette famille. C'est que, et nous, on a, à chaque fois qu'on a travaillé sur une œuvre, que ce soit celle de Léo Ferré, que ce soit celle de Sade, celle de Camille Claudel, ce qui nous intéresse, c'est justement le fait de comprendre que ce qu'a vécu l'artiste, ce qu'il est profondément, en découle l'œuvre. Souviens-toi, ça, c'est la première chorégraphie avec Julien, on crée Pietragala Compagnie. Et là, on avait envie de retrouver notre intimité à tous les deux en tant que créateurs. Et au-delà de ça, la naissance de notre fille avait fait que on avait des valeurs qui avaient été un peu bouleversées. La mort de mon père était très présente. Elle l'est toujours, mais... Elle m'accompagnait vraiment au quotidien, donc j'étais en plein questionnement. C'est toujours c'est bizarre de perdre un de ses parents, qu'une naissance arrive au même moment. Enfin, il y a un espèce de transfert qui se fait. Depuis que je suis née, j'ai toujours vu mon père avec une caméra à la main. Et puis j'ai des souvenirs aussi avec mon père, où ça c'était une sorte de rite tous les dimanches, j'écoutais de la musique classique avec lui. Et ces petits moments, entre guillemets, privilégiés avec lui, sont toujours restés ancrés en moi. Il adorait Bach, il adorait Mozart, alors que ma maman m'a beaucoup plus accompagnée dans mon métier. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, c'est elle qui m'emmenait aux cours, c'est elle qui... restait avec moi le soir, tard, parce que je quittais l'opéra, j'allais prendre des cours particuliers jusqu'à 20h, 21h. Je revenais avec elle en métro. Donc voilà, elle a été tout le temps très 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 présente, beaucoup plus que mon père. Souviens-toi a été une espèce de bulle où on a pu se ressourcer et on a pu après créer Conditions humaines, Sade ou le Théâtre des Fous, Marco Polo qui était aussi une grosse pièce. Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment, après ce Marco Polo, d'avoir envie de retourner aux sources et de me poser des questions très intimes sur la femme et est arrivée la tentation d'Ève. Il y a vraiment quelque chose d'incroyablement sacré chez Pietra sur scène. C'est quelqu'un qui est habité à partir du moment où elle monte sur scène. Il y a cette magie qui se produit où elle est comme un vecteur. Elle est à la fois plantée dans le sol, elle est à la fois connectée avec le cosmos, suspendue entre les deux. Et c'est vrai que la musique et la chorégraphie vont l'emmener dans un état très particulier où justement le spectateur devient très réceptif. Jamais indifférent. Les gens l'adorent ou éventuellement la détestent, mais il y a toujours un rapport d'interpellation. Je crois que je tourne à tour de mon équilibre et de mon déséquilibre. Je scie entre des choses qui sont... j'aime bien cette image, qui sont très ancrées dans le sol. Et puis des choses qui partent dans le cosmos. Et c'est toujours plus facile d'avoir des réponses dans des choses concrètes, terrestres, que des choses qui nous échappent. Et on est toujours plus attiré par ce qui nous échappe que par ce qu'on maîtrise.
j'aimais bien le travail que j'ai fait sur La Tentation d'Ève, parce que ça parle de toutes ces femmes, mais en même temps qui sont qu'une femme, parce que la femme est multiple. Donc je remonte à l'Antiquité, à la statuaire, à la femme guerrière, quand j'évoque la Jeanne d'Arc, et en même temps la femme mystique, la femme de pouvoir qui est aveuglée par le pouvoir, les reines qu'on a rencontrées tout au long de l'histoire, qui étaient d'une grande solitude et qui avaient épousé leurs fonctions, à défaut d'épouser leur mari. Le mariage n'est pas un badinage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. J'ai voulu revenir à l'origine de la femme et comment. Malgré toute l'évolution de la femme, parce qu'il ne faut pas la nier. Voilà pourquoi il y a eu ce regard de l'homme à travers la religion sur la femme, pourquoi il y a depuis des siècles et des siècles cette culpabilité qu'on porte inconsciemment, nous, parce que si on n'éduquait pas les petites filles comme ça, donc, quelque part, on aurait aussi envie de dire aux anciennes générations, pourquoi vous avez transmis ça? Voilà, pourquoi vous avez transmis ça? Le théâtre du corps, ce que chaque individu va emmagasiner par ses expériences personnelles. Tous ces stigmates qu'il va avoir dans son corps, tout ça, une espèce de fardeau, de sac à dos qu'on porte en soi. Quand on arrive à enlever quelques pierres du sac, on se sent effectivement un peu mieux et un peu plus en adéquation avec ses vrais, sa vraie intimité, vraiment ce que l'on veut soi-même. Et non pas ce qu'on vous a inculqué et ce qu'on a voulu pour vous. C'est pour ça que moi, avec Julien, ça nous intéresse de travailler sur l'inconscient. Parce que ça décèle énormément de choses sur l'individu, sur l'humain. On parlait des failles, des faiblesses, des angoisses très, très enfouies profondément. Et ça, le corps peut arriver à les ressortir. Et c'est pour ça que c'est, par rapport à ce que je disais, très intéressant et presque... essentiel de le retraduire et de ressortir ça à travers le corps. Pour moi, c'est important de trouver des temps de respiration, des temps où je vais me recentrer, mais j'ai besoin aussi des temps où je vais explorer des nouvelles pistes, pousser de nouvelles portes où là je vais me mettre en danger. J'adore la mise en danger. Je pense que si, c'est pour ça que je fais ce métier. Dans ça, il y a une scène qui symbolise une orgie. On a senti quand même que c'était pas évident, même en se connaissant, en se touchant, tu vois, tous les jours, en ayant un contact physique entre nous. C'est vrai qu'au début, ça a été difficile. L'être humain, il n'est pas posé là, comme dans un décor, et comme un point précis, mais que c'est vivant, qu'il y a de la chair, que ça vibre, que le sang est là, qui bouillonne. On est évidemment dans des choses terriblement humaines, quoi.
Mais ça, cette notion très sexuelle, très sensorielle, très animale, c'était encore autre chose. C'était presque danseur. Oubliez-vous. Oubliez-vous complètement. Et on va voir ce qui en ressort, avec quoi on va composer quelque chose. On est aussi très contre ce que j'appelle la danse en 2D. C'est-à-dire, c'est juste joli. Mais il n'y a rien, quoi. Amène-moi, envoie-moi quelque chose sur le plateau où je suis assis. J'ai rien. Pas un souffle, pas une sueur, pas... Je veux... Projette. Comme quelqu'un qui chante. Projette. L'énergie, ça se projette. Et ça, pareil, les arts martiaux, tout ça, c'était très intéressant parce qu'ils ont cet aspect de projeter. Projeter le mouvement, un mouvement, on est inscrit dans l'espace. On est totalement en 3D. Moi je reste, enfin je saute sur place, toi tu passes en dessous. Alors, si c'est mieux ça. Tous les deux. Ah, c'est peut-être mieux aussi. Alors je vais essayer, on essaye. Ouais, c'est mieux pour lui et la dynamique est mieux de toi que de lui. Parce que c'est sinon, si on croise, on perd l'un et l'autre. Quoi. Doucement, Julien. C'est vrai qu'on est dans une recherche d'absolu, mais tout le temps, là, quand je travaille avec mes danseurs ou quand je travaille toute seule, il y a toujours une espèce de projection de ce que tu voudrais être. Et évidemment, tu t'essayes d'y tendre, mais tu n'y arrives pas, quoi. Mais c'est pas difficile de travailler, vous êtes un couple, en plus vous travaillez tout le temps ensemble. Moi je trouve que c'est ça, enfin en tous les cas pour nous ça fonctionne bien. Et puis ça apporte, j'ai toujours un double regard sur la création. J'aurais jamais pu être une danseuse que du répertoire classique. J'aimais l'aventure et l'inconnu de la création. En travaillant avec Béjart, Roland Petit, Caroline Carlson, bien sûr Nourieff, pour moi, c'était important de me retrouver dans une phase de création, c'est-à-dire d'être devant une page blanche, quoi. Béjart, c'est toujours pour moi une référence. Béjart a été un créateur innovateur. Il avait un rapport avec le public très particulier. C'est lui qui emmenait la danse dans des lieux qui semblaient à l'époque improbables. Michael Jackson, pour moi, ça a été une révélation. C'est aussi cette exactitude dans le mouvement qui fait que, voilà, quand il est dans l'arrêt, il est tellement gainé, tellement tendu. C'est ça qui est beau chez lui. C'est qu'il y a toujours de l'écho dans son mouvement, comme dans sa voix. Et c'est ça qui est beau chez un danseur, justement. C'est que jamais rien ne se fige complètement.
y a une certaine naïveté de ce métier quand t'es enfant. C'est-à-dire que tu penses que tout est possible. Tu maîtrises pas le travail, enfin, tu maîtrises pas ce que ça demande comme engagement. Et c'est normal, tu vois le résultat, tu vois ce qui se passe sur scène. L'innocence, c'est quelque chose qui est précieux, quoi. Et qu'on perd au fur et à mesure du chemin parcouru, d'une vie. On a l'impression d'être comme un serpent qui perd plusieurs peaux, quoi, qui mue. En même temps, il en faut une dose quand même pour être un artiste, je trouve. Le secret d'une vie, c'est garder ce regard d'enfant sur les choses, sur les êtres, sur les situations qui vous arrivent. Oui, je pense qu'on se remet très difficilement de son enfance. Dans ma création, ça m'aide d'avoir ce rapport à l'enfance qui est très présent. De par la danse, par mon métier, j'ai commencé enfant, j'ai eu cette espèce de révélation et d'émerveillement sur ce que pouvait être le fait d'être en scène, le fait de transfigurer un peu les choses, le quotidien, toutes ces choses qui, dans l'enfance et même quand on devient adulte, peuvent peser. Donc cette part de magie, de rêve qu'on développe, qui est très fertile dans son enfance, j'ai toujours eu l'impression de l'avoir gardé au fond de moi. Pietra est sur scène comme elle est dans la vie. Quand Pietra danse, il y a un truc qui se passe. Au moment où tu la regardes, il y a quelque chose comme ça qui est très très fort, quoi. C'est peu de personnes ont ça. D'être si vivante et de vouloir être perpétuellement comme ça, vivante. Et c'est pas forcément évident à vivre, parce que quand toutes les émotions sont vécues sur la même échelle, quand tout est pris d'une dimension comme ça, pas de gravité, mais que tout a du sens. Parfois, tu t'égratignes parce que en face de toi, tu trouves pas toujours du répondant ou des fois c'est compliqué. Alors des fois c'est comme une lanterne, tu vois, les gens ils sont attirés, puis des fois c'est comme le feu, tu t'y brûles si tu approches de trop près.